comme technicien ayant une expérience de 15 ans dans l'encadrement des agriculteurs de Mwaro, on a encore quelques défis. Notre périmètre rizicole est confronté par une faible production suite à une fertilité du sol. Cela est dit oubli et gaspillage des pailles. La solution de ce problème serait de valoriser les pailles et autres matériels végétaux par compostage. La biomasse légumineuse provenant des plants installés sur les régions de drainage et irrigation, là le compost est plus riche. L'emplacement du compostage, l'arrosage régulier en cas de besoin et les additifs rendent rapide la décomposition du compost avec pH adéquat. Les techniques étant creusement d'une fosse d'un volume de 4 mètres x 4 mètres x 0,7 mètres si le retournement se fasse intérieurement. Hacher les débris végétaux et volumineux. Disposer les matières premières dans la fosse de façon suivante. Arranger les débris végétaux lignés, lourds et secs en premier lieu à les disposer selon leur densité. Graminer avant et c'est d'origine légumineuse après. Arrosage à l'eau ou soit aux urines ou purée pour activer la décomposition. Disposer les débris végétaux verts, les plus denses en premier lieu, ainsi de suite. Les graminées avant et les légumineuses après. Épandre les déchets de cuisine au tas s'il y en a. Épandre sur le tas du centre calcaire pour corriger l'acidité du futur compost. Recouvrir le tas du fumier de ferme en décomposition. Couvrir le temps de la terre et arroser. La récolte du compost mûr sera dans 3 mois après le compostage. La fertilisation organique du riz augmentera la production.